Tout d'abord, une notoriété, c'est aussi la reconnaissance de nos pairs sur le travail fourni par toute une équipe et toute une agence. Donc ça me semble très gratifiant, effectivement. Je crois savoir que ça va apparaître dans la presse écrite. J'imagine que notre attaché de presse va faire le nécessaire pour qu'on puisse communiquer aussi en local. Ça va nous motiver encore plus pour satisfaire toujours les hôteliers et les clients. Et on va pouvoir aussi parler davantage de l'écolabel, parce que Best Western est la première chaîne d'hôtels en nombre d'hôtels écolabel. Et les deux hôteliers qui ont représenté Best Western France ce soir sont tous les deux écolabel. Je crois que c'est toujours très important d'avoir des franchisés qui peuvent avoir des prix comme cela. Ça met en avant l'enseigne, ça met aussi en avant le fait qu'on a un réseau de franchisés dynamiques et qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'on aurait tous envie d'avoir des franchisés comme Olivier Mouret qui vient d'être primé et qui représente toutes les valeurs de la marque. La loyauté, la franchise, le travail. Donc j'imagine que toutes les enseignes seraient ravies d'avoir des franchisés comme celui-là. Ça apporte une notoriété. L'IREF, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même bien. Tous mes collègues, on est assez nombreux, plus de 1700 je crois, vont voir ça. Ça va les encourager à aller un peu plus loin. Hein. Ah ben on est excellent, on est très content pour notre franchisé déjà tout d'abord. Et que c'est grâce à des franchisés comme ça qu'aujourd'hui Itsushi connaît cette croissance et ce succès. Bah aujourd'hui, vu ses performances, il a déjà réalisé quelque chose d'extraordinaire. Après, lui dire que ça lui rapportera quelque chose d'autre, peut-être une confiance en lui, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on voit qu'il a réussi à créer quand même pas loin de 60 emplois en moins de 3 ans, et qu'il est passé de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires avant la fin de l'année.